Moi, mon nom, c'est Michel Charon. Ma mère, c'est Jeanne d'Arc Faubert. Et puis, elle a marié mon père qui se nommait Lorenzo Charon, qui était lui aussi originaire de Notre-Dame-du-Loup. Alors, ma mère était de Val-des-Bois avec les Faubert, et puis Lorenzo faisait partie du village de Notre-Dame-du-Loup. Moi, ce que je fais par rapport à Lacroix, son entretien, depuis 1979, je pourrais peut-être même dire depuis 1983, parce que je peux dire que à l'été 1980, c'est mon père Lorenzo qui avait entretenu Lacroix, et puis c'est à partir de 1983 que chaque 3 ans, je monte au lac avec mes échafauds, puis avec ma peinture, puis avec tout le nécessaire, disons, puisque moi j'habite en ville ici à Ottawa. Je m'organise. Et puis, je quitte vers les 6 heures le matin la ville pour que je puisse arriver au moins vers les 7 heures sur le terrain de Lacroix. Et à partir de 7 heures, et puis jusque, je pourrais peut-être dire, jusque vers les 6 heures, les 7 heures le soir, là, j'ai un bon 12 heures d'ouvrage, disons, pour réparer cette croix-là. On dirait qu'elle nous attire, cette croix-là. Il faut faire un détour pour venir la voir à chaque fois qu'on vient en vacances ou les autres qui passent de temps en temps. Mais il faut toujours arrêter un petit peu pour faire une petite prière ou juste pour la regarder. C'est vraiment la croix qui crée le lien. On dirait que c'est de plus en plus, disons, c'est la croix qui est là, qui reste là, pas toute seule, mais c'est elle qui crée le lien. Il y a de la parenté qui vient du Nord, il arrête ici. Il n'arrêtera pas s'il n'y avait pas la croix, s'il n'y avait pas le calvaire, disons, s'il n'y avait pas la clause du testament. La maison que vous voyez en arrière, c'est la maison des Faubert. Je suis née ici. Et puis, mon père s'appelle Joseph Faubert. Et puis, ma mère, c'est Rosalima Despatie. Mes parents, ils ont eu 12 enfants. Mais sur la ferme, on avait beaucoup d'animaux. Et puis, mon père, il travaillait les champs pour avoir le foin pour soigner les animaux. On a une croix sur notre terrain. Mais ça a commencé par une retraite qu'on avait à l'église. Et puis, même l'évêque était venu. Et puis, je crois que c'est lui qui en a parlé au curé Whitmore dans le temps. Puis, suite à cette retraite paroissiale, le curé avait tout bonnement, je pense, invité les paroissiens, si c'était possible, c'était à base volontaire, si c'était possible, diriger des croix à chaque bout, disons, au bout de chemin, des bouts de chemin qu'ils appelaient à ce moment-là, c'est-à-dire aux extrémités des frontières de la paroisse. Et puis, ce que j'ai entendu dire, c'est que mon oncle Lucien avait été intéressé. Lucien Faubert fut le premier fils de mes grands-parents. Lucien Faubert, ça aussi, c'était celui qui a érigé la croix. C'est celui qui en a vraiment pris soin. Lorsqu'on parle de la croix des Faubert, on parle de Lucien Faubert. Quand je me suis mariée, moi, en 1942, avec Lorenzo Charon de Notre-Dame-du-Loup, bien, à chaque fois que j'arrivais de vacances, c'est la croix qui m'attirait. Je venais tout seul, ensuite... Maman venait me trouver et puis on s'assoyait sur les marches. Et puis on jasait de tout. On parlait de son jardin, on parlait... Mais on était assis dans les marches et vous ce qui la croix. En faisant ça, bien, on dirait que les souvenirs nous reviennent. On pense aux ancêtres, on pense à ma grand-mère.
C'est comme si on renouvelait avec le passé, on dirait ici. C'est ça que j'aime. C'était une maison qui habitait 6 chambres en haut. Et puis, c'était des chambres habituellement avec des petites lucarnes qui étaient là. Alors, moi, des fois, en étant matinal, hein, je regardais par la fenêtre le matin. Des fois, regardais un petit peu le champ au loin, puis les oiseaux. Puis, on entendait le chant des oiseaux, puis les arbres, puis le lac qui était juste à côté. Tout d'un coup, je m'apercevais, je voyais mon oncle qui était debout sur les marches du calvaire de la Croix. Et puis, je le regardais un bon bout de temps. Lui ne me regardait pas. Il n'était même pas au courant que j'étais là. Mais je le voyais, il était comme si... Je pourrais même employer le mot « transe ». C'est comme s'il avait été dans une certaine transe en regardant, disons, le Christ sur la Croix comme ça. En méditation profonde, en tout cas. Et puis, tellement que j'en avais peur, on dirait. Je le voyais, puis je trouvais qu'il était comme parti dans un autre monde, disons. Là. Il vénérait cette croix-là. La croix, il la vénérait, c'est certain, à tous les jours. Il venait au rôle le Christ, et puis... Il faisait des prières. Il ne faisait pas ses prières tout hautes, mais on voyait qu'il priait. Et puis même mon père, lui aussi, il avait un vieux hangar, et puis il laissait la porte du hangar ouverte. Puis il était en face de la croix, puis il priait. Et puis toutes les gens de la maison, moi, mes sœurs, c'était la même chose. On aimait se prier à la croix aussi. Ma tante Hermantine et puis ma mère m'ont déjà dit qu'elle ne se rappelle pas vraiment s'il y a eu de gros rassemblements autour de cette croix-là. Moi, ce que je pourrais peut-être me rappeler, disons, plus personnellement, c'est à partir de 1976, lorsqu'il y avait eu une célébration avec messe pour la fête, on avait célébré la fête de mon oncle Lucien. En 1989, lorsque la croix a eu 50 ans, là, j'avais lancé une invitation à tout le monde. Alors, plus qu'une trentaine de personnes s'étaient rassemblées cette journée-là avec une eucharistie par le curé de Val-des-Bois. Puis, dernièrement, bien, très modestement, là. 10 ans après, en 99, on s'était rassemblés, c'était pour le 60e de la Croix. Ma tante Laurentia était là, je me rappelle bien, avec son fils Paul Boisvenu. Et puis, il y avait toujours ma mère, il y avait mon frère Roger, et puis ainsi que moi-même. On avait fait la visite un tout petit peu de la maison au début parce que les Frédéric nous avaient invités à visiter la maison un tout petit peu à l'intérieur. Puis par la suite, on s'était rassemblés autour de la croix avec une petite prière, une méditation. On avait même chanté. Et puis, très modestement, disons, on avait célébré le 60e de la croix. Son décès, il était à l'hôpital de Buckingham, Lucien, mon frère. Et puis, une bonne journée, il a demandé à mon fils, Michel,
s'il voulait s'occuper de la croix. Puis il m'avait demandé, il m'avait dit, « Michel, j'aurais peut-être une faveur à te demander. » Il me dit, « Est-ce que tu pourrais t'occuper de la croix? » Alors, tout de suite, hein, j'ai dit, « Ben, mon oncle, ben oui, mon oncle, ça va me faire plaisir de m'en occuper. » Puis quand mon frère est décédé, il a fait un testament. Et puis, sur le testament, en tout cas, il a gardé un terrain pour qu'on vienne venir ici prier ou se rassembler, toute la famille. J'ai justement le testament ici. Il avait une clause qui stipule quelque chose de très précis concernant le calvaire puis le terrain qui entoure la croix. Et puis, c'est bien indiqué ici, si je peux tout simplement le lire, on disait que ce calvaire étant un lieu de prière, il ne pourra être cédé pour d'autres fins que celles d'un lieu de prière du vivant de mes sœurs sunommées, sans le consentement écrit de chacune d'elles ou des survivantes. La clause du testament va être terminée avec le décès des quatre sœurs qui restent. Le propriétaire, ça sera à lui ensuite tout le terrain du sang par sang. Aujourd'hui, la propriété des Faubert, la maison paternelle, comme on mentionne, n'est plus la propriété de la famille. Ça a été vendu avec le temps. Et puis, c'est un monsieur Frédéric qui s'en occupe en ce moment ici. De nos jours, on n'en voit plus bien. Ben des croix de chemin. Ça a disparu un peu. Vous les voyez surtout comme dans les cimetières, par exemple. Quelque chose dans ça qui, on pourrait dire, qui me chicote un peu, c'est justement ça, c'est l'avenir de cette croix-là. Parce que présentement, la croix est préservée par la clause du testament de mon oncle. Les filles, je veux pas, elles vieillissent. Et puis, la clause stipule bien que... au décès, disons, de toutes les filles, cette clause-là n'existera plus. Alors, qu'arrivera-t-il à cette croix-là? On pourrait demander, disons, au propriétaire de la maison si on pourrait refaire une certaine clause, quoi que ce soit. Ça pourrait se faire, ça aussi. Mais j'en doute parce que le prochain propriétaire, peut-être, ne voudrait peut-être pas voir, disons, une clause précise qui pourrait, disons, morceler le terrain, la propriété. Mais c'est une possibilité. En fait, l'objectif premier, c'est de sensibiliser, disons, des autorités comme la municipalité de Bowman et leur faire connaître que dans leur propre municipalité, il existe quand même certains objets, certains symboles, disons, pour ce cas ici, c'est plutôt un symbole religieux. Et puis, afin que ce symbole religieux soit reconnu, disons, dans le patrimoine religieux québécois. C'est l'objectif premier, disons, qu'on s'était fixé. Et puis, tant mieux si on semble être intéressé, disons, à vouloir poursuivre des démarches dans ce sens-là.